Merci beaucoup. Madame Sollogoub. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous prie de m'excuser, je crois que je vais vous poser une question un peu décalée, mais elle me tient très sincèrement à cœur. Donc, bon, on a bien imaginé le rôle qui était le vôtre, c'est-à-dire au cœur d'une espèce de réacteur en fusion avec des informations scientifiques totalement contradictoires, avec un processus de décision qui, par endroits, se diluait. Mais est-ce que vous aviez une vision précise de ce qui se passait complètement à l'autre bout de cette chaîne? Et vous l'avez dit, j'ai bien aimé cette phrase, à la fin, il y avait des hommes et des femmes qui ont fait vivre le truc. Et moi, je parle en tant qu'élue rurale, et tout au bout, il y avait des maires, par exemple. Bon, peut-être que c'était un petit peu parallèle au niveau médical, peut-être en médecine de ville, mais tout au bout, les maires étaient complètement saturés d'informations. Les préfets étaient parfaitement dans leur rôle, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il y avait une production inflationniste, cette fameuse doctrine, toutes ces recommandations. Et finalement, en bout de chaîne, c'est une sorte de système D qui s'est mis en place et qui a permis de garantir la sécurité de millions de gens. Je voulais savoir si vous l'aviez vraiment perçu, parce que concrètement, à la rentrée des classes, le maire des petites communes rurales, la doctrine, le truc de 80 pages, ils ont mis ça, ils ont regardé. Hein, bon, voilà, après, ils ont mis dans le tiroir, ils sont allés avec la cantinière et le cantonnier à l'école, ils ne pouvaient pas pousser les murs, ils ont fait pour le mieux, et on a fait la rentrée des classes. Mais je voulais savoir, quand on est Premier ministre, et que c'est une crise de cette ampleur, si vraiment ça, on le perçoit réellement. Je vous remercie. Merci, Madame Meunier. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis confuse, parce que je vais vous poser une... Et c'est utile qu'on se pose tranquillement cette question pour améliorer le dispositif. Vous m'avez posé la question, Madame la Sénatrice, de la vision qu'on pouvait avoir de la réalité de terrain, si j'ose dire, lorsqu'on était Premier ministre. Elle est forcément plus lointaine que lorsque vous êtes tous les jours dans votre circonscription ou tous les jours dans votre ville. Bien sûr, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Je le déplore un peu, mais je ne peux pas non plus m'en plaindre. C'est la vie. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est utile d'avoir été maire pendant longtemps et de savoir que... j'ai bénéficié de cette expérience, j'en suis sûr. Heureusement, vous avez quand même, vous n'êtes pas enfermé. Vous êtes contraint par un agenda compliqué et par un rythme intense, mais vous n'êtes pas prisonnier. Heureusement, vous avez la possibilité, et je ne m'en suis pas privé, d'avoir des contacts avec des amis maires, et pendant la crise, y compris pendant la gestion de la crise. J'ai passé beaucoup de temps, ça n'est pas dans mon agenda public, monsieur le sénateur, mais j'ai passé beaucoup de temps à appeler des maires de grandes villes, de petites villes, des maires que je connais, pour qu'ils me disent comment ils voyaient les choses. À appeler des amis, élus locaux ou pas élus locaux, des médecins, pour qu'ils me disent comment ça se passait. Et je l'ai toujours fait, d'ailleurs, pas simplement pendant la crise sanitaire, pour essayer... De comprendre, en tout cas d'entendre un certain nombre de choses. Vous avez des capteurs, vous avez, heureusement d'ailleurs, il faut absolument les entretenir, si j'ose dire, en tout cas vérifier que... Bon, donc ça, je l'ai fait, de la même façon que j'ai cherché, et je le dis en souriant, même si ça ne se voit pas sous le masque, à monsieur le sénateur, j'ai cherché à avoir des contacts avec des professeurs de médecine, avec des médecins, pendant le confinement, pour qu'ils m'expliquent comment ils voyaient la suite. Et je vais vous dire le truc qui était... Ce que j'ai vu... étaient dans mon bureau, souvent, des exemples de précision et d'humilité. Il se trouve que parfois, les mêmes sur des plateaux prenaient les travers les plus terribles, en étant d'un jugement définitif, les mêmes. J'ai vu là le même effet maléfique, je dois dire, que je constate parfois chez les responsables politiques, qui sont dans la conversation... soucieux de l'intérêt général, de la nuance, comprenant parfaitement les difficultés, les aspérités du réel, et qui, par la grâce du plateau et de la chaîne d'info continue, deviennent maximalistes, définitifs et tranchés. Voilà. C'est donc humain, manifestement. Comme ça. C'est regrettable. Madame la sénatrice,